Allez. Allez les petits poussés. Allez les petits poussés. Allez. Je suis du coup partie chez Action. Juste avant d'arriver à la caisse, je sais pas, j'ai une petite lumière comme ça qui m'a dit « Je pense que t'as fait une connerie. » Et là... Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Session promenade, ça y est, on a sorti les manteaux. D'ailleurs, il faut que je range toutes les robes, tous les pantalons un peu d'été, quoi. Et sortir tous les manteaux avant de vraiment sortir les doudounes. Mais bon, moi j'aime bien. J'aime bien le style avec les manteaux, donc ça me fait plaisir. Sinon là, direction le magasin. Je vous ai dit hier qu'il fallait que j'aille chercher un truc chez Action. Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais voir. Mais surtout, le nettoyant pour le lave-vaisselle. Il faut absolument que j'en prenne. Je fais ça à peu près tous les 2-3 mois. Sauf que là, avec l'été qui est passé, ça fait un bon bout de temps que je ne l'ai pas fait. Et il va falloir, pour que le lave-vaisselle reste performant, que la vaisselle soit toujours bien nettoyée, etc. C'est quelque chose qu'il faut faire très régulièrement. Oh, que t'es beau, toi! Ouh, il a un chien magnifique. Un husky, je crois, s'appelle. Husky ou husky. La race de chien un peu de ski, de neige, de... Enfin bon, vous avez compris, quoi. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. C'est là-bas. Regardez, celui-là, il n'y était pas l'autre fois, il est vraiment beau. Vraiment magnifique. Ils ont aussi ramené ça. C'est original, hein. Et c'est des figues, je crois, dessus. Ma fille avait craqué sur un globe chez Maison du Monde l'autre fois. Franchement, le même. Vraiment le même, sauf qu'il était plus dans les tons rosés. Mais vraiment la même chose. Non, il ressemblait plus à celui-ci. Je trouve qu'Action ramène des choses de plus en plus jolies et de plus en plus tendances. Là, j'ai failli craquer, mais vous allez voir finalement que je n'ai pas vraiment pu craquer. Pareil pour ces mugs qui sont vraiment très jolis. Et on a même les monuments parisiens. Donc je trouve ça très très sympa à 3 euros tout de même. Et puis là on est vraiment en mode Noël. D'ailleurs il y a pas mal de petites choses. Si jamais vous offrez des cadeaux aux maîtresses en fin d'année, vous avez plein de choses qui sont très sympas à offrir. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller chez Action et regarder. Vous pouvez trouver plein de coffrets. Ah. En voiture, direction l'école des enfants. Nous sommes bien après dans la journée. Je vais aller récupérer mes petits bouts de choux. Ça va me remonter un petit peu le moral, puisque j'ai fait une connerie qui me ressemble complètement. Pour ceux qui ont l'habitude de me regarder, laissez-moi un petit commentaire pour me rassurer, pour me remonter le moral. Parce que ça va pas vous choquer ce que je vais dire. Ça va pas du tout vous choquer. Je suis du coup partie chez Action. Juste avant d'arriver à la caisse, je sais pas, j'ai une petite lumière comme ça qui m'a dit « Je pense que t'as fait une connerie. » Et là, je cherche ma carte bleue. Je venais de la faire tomber. Voilà, je ne retrouve pas ma carte bleue. J'avais pris mon téléphone et ma carte. Impossible de remettre la main dessus. J'ai fait le chemin, j'ai demandé dans le magasin, j'ai demandé à l'accueil du centre commercial. Rien à faire. Mais c'est pas comme si c'était la première fois. Quand je dis les personnes qui ont l'habitude de me suivre, c'est parce que ce n'est absolument pas la première fois. J'ai l'habitude de perdre mes affaires.
je suis du genre à pas faire attention à mes affaires, voilà, et ça il faut que ça change, c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Donc j'ai fait opposition à ma carte, en fait je sais pas si c'est sur toutes les applications de banque comme ça, mais vous pouvez bloquer votre carte et la débloquer si par exemple vous avez un enfant qui est passé, un ado, pré-ado qui est passé à côté de votre carte bleue, vous pouvez momentanément bloquer votre carte. Je connaissais pas ça, mais apparemment c'est possible. Enfin apparemment, c'est possible puisque moi j'ai pu le faire sur mon téléphone. En fait, dès que je me suis rendu compte que j'avais plus ma carte, j'ai bloqué ma carte. Et le temps que je rentre chez moi et tout et que je vérifie que vraiment j'ai pas ma carte bleue, là j'ai fait opposition sur ma carte. Et du coup, quand vous faites opposition, normalement, en tout cas sur ma banque c'est comme ça, ça envoie directement une demande de nouvelle carte. Donc je suis censée recevoir une nouvelle carte chez moi, à mon adresse. Voilà. Mais en attendant, je n'ai plus de carte bleue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'arrive très souvent. Et le pire de tout, c'est qu'au moment où je suis en train de chercher ma carte, je pose mon téléphone. Oui, oui, j'ai posé mon téléphone dans un rayon. Et je me suis mise à chercher ma carte. Et au bout d'un moment, je me dis, mais attends, j'ai plus de téléphone. Donc je reviens et heureusement, le téléphone était encore là où je l'avais posé. C'est le dernier que j'ai acheté, vous imaginez bien. Que ça aurait été très très peu probable que je le retrouve si quelqu'un était tombé dessus. Il y a des gens bien, mais voilà, ça aurait été très peu probable. J'ai failli perdre les deux aujourd'hui. J'ai failli perdre les deux. Bon bah voilà, c'est moi. C'est moi qui crache. Allez, allez les petits poussés. Allez les petits poussés. Allez, oust, 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 oust. Je ne vais pas ouvrir mes devoirs. Ouais, pousse-toi un peu parce qu'il y a un carton derrière la porte, tu peux pas ouvrir plus. Si, si, tu vas faire tes devoirs, jeune homme. Maintenant. Hein? Maintenant. Maintenant. Parce que c'est maintenant. Allez. Parce que après, il y a le foot, il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas le temps de faire ça. S'il te plaît, Wawilou. Okay. T'as mal à la dent? À la lèvre ou à la dent? La gencive. On va regarder. Mais mets pas tes mains. Tes mains sont sales, tu les as pas lavées. Elles bougent. Oh là là. Bon, allez, fais voir. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas la même leçon? Parce que moi, j'avais pas grain de 23 dans mon classeur. Ah. Ah oui, puisque vous avez récupéré les classeurs des copains. Non. Bah si, c'est... Tu parles du classeur bleu. Mais ça, c'est le classeur d'Amet. Oui, c'est ça. Vous avez récupéré le classeur des copains. C'est pas mon pot. Les devoirs sont terminés. Le goûter, enfin le deuxième goûter a déjà été pris parce que chez nous il y a plusieurs repas après l'école. Oui, oui, comme vous me l'aviez dit pour la plupart, je pense qu'ils sont en pleine poussée de croissance, surtout pour mon petit loulou. Et du coup, ça mange beaucoup. Voilà, plusieurs reprises. Bon, sinon, moi, il va falloir que je range cette cuisine, que je fasse le repas. Peut-être faire un petit gâteau. Peut-être faire un petit gâteau. Alors, le repas que j'aurais voulu faire de base, je n'ai pas tous les ingrédients. C'est des ingrédients frais qu'il faut acheter en temps et en heure et que j'étais censée aller prendre. Mais évidemment que je n'ai plus de carte bleue. Donc, c'est compliqué de prendre quoi que ce soit. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai qu'à faire attention à mes affaires. J'ai qu'à faire attention à mes affaires. Message à moi-même. Bon, allez, je vais ranger la cuisine et on va s'occuper du repas. Oui, Aya. T'as dit quoi? Tu veux jeter tes piles à la poubelle? Tiens, tu peux arrêter mon téléphone, s'il te plaît, là-bas? Non, non. Mon téléphone, il est en train de parler tout seul. Là. Merci. Ouais, c'est quoi un point d'interrogation? À quel moment on met le point d'interrogation? On est prêt en ordre et nous mesure.
un ordre ou une émotion. Tu as du mal avec les points d'interrogation, ouais. Vraiment. J'ai dit un ordre. Non. Si, j'ai. Non, c'est... oui, mais ce n'est pas ça. Un ordre ou une surprise. Un point d'interrogation, c'est quand on pose une question. On va y arriver. On va y arriver, ouais. Oui, on va y arriver. Une fois qu'on pose interrogation, comme interroger. C'est pas vrai? Bah oui, le point d'interrogation, c'est pour interroger, c'est ce que je dis. C'est ce que j'essaie de répéter. C'est ce que j'essaie de répéter. Guillemets. À la fin d'une phrase, on laisse du suspense. Non. Du suspense. Du suspense. Ah, non. Suspension. Suspense. Si. Non, suspense. Pense. Suspense. Et ça, c'est le vas-y, redis-le entier. Redis-le entier. Suspense. Ouais, vas-y, à la fin d'une phrase, on laisse du suspense. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, promis. Et là, c'est le point de suspension. Et oui, quand on est maman, on est multifonction. On continue les devoirs, même pendant que je cuisine. Et oui, il y a un sacré problème entre les points d'interrogation et les points d'exclamation, sans parler bien évidemment du suspense. Allez, je continue. J'ai mis du coup la viande dans de l'huile d'olive et je la laisse revenir. J'épluche les oignons et l'ail et je vais tout écraser et mettre le tout dans ma gamelle. Et on va aller chercher de quoi écraser l'ail. Oui, 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 Lou. Quoi? Hein? Quoi? Ouais, tu voulais quelque chose? Maman? Oui, oui. Maman? 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 Bah, dis donc, cache ta joie, hein? J'aime pas. T'aimes pas? Moi non plus. Ah bon? Oui. La fois, tu l'as dévoré avec les olives. Bon, le petit bidule pour écraser l'ail est dans le lave-vaisselle, donc... en petits morceaux, voilà. Essayez de trouver une alternative. Et j'ai aussi besoin de deux tomates. Les tomates, retirer les pépins et couper tout ça en petits morceaux. Je continue du coup la préparation de mon repas. Les enfants l'ont bien évidemment mangé, les grands comme les petits. Puisqu'à la maison, nous ne sommes pas au restaurant et je ne peux pas toujours faire plusieurs repas pour la même journée. Les pommes de terre, ce qu'on va faire au plus simple aujourd'hui. Et je vais prendre de quoi éplucher tout ça. Voilà. Alors bien sûr, je ne vais pas mettre tout ça de pommes de terre. Je n'ai pas mis une grande quantité de viande dans ma gamelle, donc je vais faire vraiment le repas pour une journée. Et ce n'est pas la peine qu'il en reste pour demain, puisque je suis sûre que même s'il reste des légumes, il ne restera pas de viande. Donc vraiment, c'est pour que ça suffise que pour ce soir. Une fois que mes oignons sont bien revenus avec l'ail et les tomates, je rajoute sel, curcuma, gingembre et poivre. Je mélange le tout. Je rajoute mes pommes de terre que j'ai d'ailleurs lavées. Je viens de rajouter les haricots verts surgelés. Voilà. Et puis c'est tout. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Mais il n'y a pas d'eau dedans. Ah là 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 là, mais moi. Voilà. Ça c'est fait, le dîner est lancé, il n'y a plus qu'à faire un petit gâteau. Je vais commencer mon gâteau, les œufs, la balance, d'ailleurs celle-ci je l'avais prise chez Action, elle est trop jolie. C'est la première fois que je la sors. Hein. Voilà, bon, comment on fait, comment ça fonctionne cette chose. Voilà. D'ailleurs je ne vais pas utiliser le thermomix. On a besoin de 100 g de... Bah alors, bon... On va y arriver.
millilitres, grammes. On commence. Voilà. Non, mais je vais y arriver. 100 grammes. Voilà, 100 grammes pile. Ensuite, on a besoin de 100 grammes de sucre. Hop. Du sucre en poudre. Et c'est parti pour 100 grammes. Et j'en ai mis partout. Ensuite, on a besoin de 100 grammes d'huile. 100 grammes d'huile. Je pensais vous avoir filmé, mais non. De la farine. Alors moi, j'aime bien tout préparer d'avance. ~210 grammes pour la farine. Un yaourt. Levure chimique. Sucre vanillé. Et là, je vais peser le cacao, sans sucre, bien sûr. Et on a besoin de 15 grammes. Je viens de mettre l'huile de tournesol. Je vais rajouter le lait. Donc on a 100 g de chacun, encore une fois. Ensuite, je vais rajouter également le yaourt. Je pense que ça va être galère sans cuillère, cette histoire. Hop. Partout avec les batteurs électriques. Je rajoute ensuite les deux œufs. Ah bah bravo, moi qui voulais éviter ça à tout prix. Bravo. Les deux mains gauches en ce moment, de toute façon. Je suis plus à une connerie près. Et je mélange. Je vais rajouter le sucre. Ensuite, on va rajouter la levure chimique. Le sucre vanillé. Je prends ma cuillère à mettre dans ma farine. Comme ça, je vais rajouter la farine petit à petit. Bon, là on va séparer en deux. Hop. Je vais rajouter 3 grandes cuillères de lait, 2 ou 3. Moi c'est 3 parce que mes cuillères sont petites. Parce que quand vous rajoutez du cacao, et ben la pâte elle devient beaucoup plus épaisse. J'avais envie de mettre la pâte de cette façon-là pour voir si à la cuisson c'était plus joli et franchement je suis convaincue. Avant je mettais la pâte entière et ensuite je faisais le tour avec un petit cure-dent, mais comme ça je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça avance. Oh, j'ai été rejointe par un petit bonhomme.
Un petit bonhomme qui nous a ramené des soucis de l'école aujourd'hui. Non, c'est pas lui qui a fait des soucis. C'est quelqu'un qui l'a embêté. Hein, Loulou ? Oui. Il est caché. Il est caché, caché. Je vous dirai pas ce qui s'est passé exactement parce que c'est pas très agréable. Mais voilà, le problème est réglé. On a parlé avec les parents. Tout s'est bien passé. Hein, Loulou ? Et puis sinon, le dîner est lancé. Le gâteau attend que le four soit chaud. Et ma cuisine, elle est dans un état... Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est Wahil qui doit la ranger aujourd'hui. Quoi ? Il m'a dit qu'il allait ranger toute la cuisine, qu'il allait mettre chaque chose à sa place. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Là, je suis en train de faire. Tu fais quoi, du coup ? Ok. Ah ? Ok. Et du coup, tu laves la vaisselle et tout ? Laver la vaisselle, comment on fait ? Ben, on prend l'éponge, on met du liquide vaisselle et on lave la vaisselle. Et je sais pas où elle est. Ben, je peux tout te montrer si tu veux. Ok, si tu veux. C'est que ça marche quand on demande. C'est dans ce tiroir. S'il vous plaît, jeune homme. C'est un amour. C'est un amour de petit garçon. Regarde, regarde. Les bouteilles, il faut les mettre là-bas parce que si ça se renverse, il va y en avoir partout. Et vu que Wahil touche beaucoup à ce tiroir, c'est le tiroir où se trouvent ses céréales. Donc forcément, ah ça y est, le four est chaud. On y va. Je vous emmène. Voilà, notre four est chaud. Par contre, je suis pas trop d'accord que tu touches au four. Mais c'est pas grave. Que quand je suis là, d'accord ? Ok. D'ailleurs, pour que le gâteau soit réussi, je vais le mettre 15 minutes. Vas-y, ferme. Je vais mettre à cuire pendant à 180 degrés, 15 minutes sur le bas. Et ensuite, 180 degrés, 15 minutes en chaleur tournante. Sinon, mon gâteau retombe toujours. Bah, à la poubelle. Ouais, il me demande où vont les cookies d'œufs. Ah, où tu veux que ça aille? Bah, il y a aussi le recyclage. Je mets les cookies d'œufs dans le recyclage? C'est quoi qu'on peut les mettre dans le recyclage, puisque maintenant, il y a... Tu sais, le recyclage du compost. Ah oui. Bah, ah oui. D'ailleurs, nous, on a arrêté de... Bah, il faut le laver déjà, ça. Nous, on a arrêté de faire du compost dans le jardin parce qu'on s'est rendu compte que ça appelait les souris. Voilà, que notre compost... Bah, pourquoi tu me fais ces gros yeux, tu le sais ? C'est pas juste qu'on fait avec vous. Mais c'est vrai. Tu veux te coucher à 21h ? Ça se négocie. Demain, il n'y a pas école. Regardez ce qui se passe là depuis tout à l'heure. Ils sont en train d'essayer de me réciter leur leçon. Et Dieu merci, ouais, il a enfin compris que le point d'interrogation était un point d'interrogation et que le point d'exclamation. Et Aya, voilà ce qu'elle fait. Je vous montre ce que Aya est en train de faire. Mais depuis tout à l'heure, il m'en prend. Il t'en prend de quoi? Tu vas avoir mal au ventre. Ah, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous faites? T'essayes de faire quoi là? J'ai encore besoin de mon fils. Oh! Oui, toi aussi j'ai besoin de toi, mais j'ai aussi besoin de lui. Lâche-le. Je vais nettoyer ses cuisines, moi. Il va nettoyer la cuisine, tu vas l'aider? Non. Attends, je sais parler bagarreur. Comment ça, non? Comment ça, tu vas pas nettoyer la cuisine? Comment ça, tu vas pas... Maman! Oui, comme... dis. La vaisselle, sors de ma cuisine. Sors de ma cuisine. Oh, t'es trop mignon, pas, tu dis pourquoi? On dirait vraiment que t'es sage. Bon, sinon, notre dîner, il est quasiment cuit. D'accord. Allez, viens. Câlin, mon bébé. Ouh là. Sur l'épaule. Ouais, il a piqué le doudou d'Aya. Depuis tout à l'heure, ils se battent, c'est de l'argent, regardez-moi ça. Arrête d'embêter ta sœur. Regardez-moi là. Espèce de quoi? Pourquoi votre leçon, elle est encore comme ça, là? Hein? Rangez. Maman? Rangez, mauvaise troupe. La leçon, elle est où, d'ailleurs? J'en sais rien, moi. Mais c'est pas mal, c'est moi, je vais la rechercher. Aucune idée, Loulou. Aucune. Allez. Rangez-moi tout ça, s'il vous plaît. Et retirez vos cartables de là. Wahil, ta tenue de foot? Tout est prêt pour demain? Ferme, s'il te plaît, les stores. C'est à quelle heure que Wahil va au foot? Pourquoi? Attendez, parce que c'est un grand débat. Qu'est-ce que tu veux faire demain quand Wahil sera au foot? Une robe. Tu veux quoi? Nous, on passe notre temps à acheter des robes ici. Mademoiselle Aya veut une robe pour son anniversaire. Quand il va à quelle heure? Il a, je crois, 15 heures. 15 heures?
Bah, au moins j'ai appris ma leçon et c'est déjà ça. Bah oui, je suis fière de toi, Lou. Allez, range-moi tout ça. Oh là 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 là. Petit boulet. Bon, voilà du coup notre fameux gâteau. Bien cuit. Bon appétit, bien sûr. Bon, non, moi je vais goûter, hein, tant qu'à faire. Et bien sur ce beau gâteau, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!